Pourquoi on a décidé de participer au menu signature? Eh bien, tout simplement parce que les élèves en fait sont friands en fait de concours, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. On trouvait que c'était un support, un bon outil de travail en fait pour justement développer des compétences liées notamment au travail sur le développement durable, sur le terroir, la culture, je dirais, territoriale des produits, et donc d'ouvrir un petit peu leur esprit à ce qui se fait autour de ces chez eux. Nous avons 10 élèves qui sont engagés en cuisine pour le concours et 4 élèves en salle, et donc permettre effectivement d'apporter les plats, les présentations à l'ensemble des jurys. J'ai décidé de me porter volontaire pour le menu signature parce que c'est intéressant à faire. Puis en plus, ça va nous apprendre de nouvelles choses. Travailler en équipe déjà, puis c'est un objectif, quoi. C'est un concours. Nous, notre but, c'est de participer et de gagner surtout. Nous avons un risotto en entrée et notamment un tataki donc, qui est d'origine japonaise, le risotto d'origine italienne. Le tataki est donc lui présenté en tant que plat. Donc on est sur un risotto de petite épeautre. Voilà, pour allier effectivement le territoire Beauce dans lequel nous sommes ancrés. Et le tataki japonais se fait souvent de fois avec de la viande donc crue ou du poisson cru. Bien nous, on a décidé effectivement, enfin les élèves aussi ont bien sûr décidé d'utiliser de l'autruche, qui est quand même une particularité loiretaine, puisque les élevages d'autruche, il y en a encore aujourd'hui très peu en France. Et qui plus est, c'est aussi une viande extrêmement diététique et extrêmement tendre.